passer sur un pont. Mais non. Attends, nous, on va rouler ici. Toi en position. Ok, en position. Allez, c'est parti. Bah, bonne chance, hein. Ouais. Comment ça fait flipper? J'y vais dans 3, 2... Bon, petit café... Alors, on va devoir commencer à remonter un bout de piste. Et après on part totalement en freeride sur la gauche, tac tac, et on va prendre une chopine arrête pour faire la blanca. Alors le problème c'est que ça a l'air vraiment très raide. Je l'avais vu de loin, ça semblait pas trop mal. Mais on va voir. Bon, on n'a pas été très efficace ce matin. Hein. Bah, c'est la bêche. Hein. Allez, on prend le saucisson. Non. Trop lourd. Ouais, prends des madeleines, prends ouais. Pas de pression. Prends tout ce qui traîne. Du Red Bull aussi, c'est ça, tu voulais prendre? Ah oui, oui. Ah voilà. Non, merde, t'as bu la blue. Donc pas de saucisson, sûr. Mais prends-en pour toi si tu veux. Ok, bah, du coup je prends le gros couteau. Non, prends pas le gros. Prends pas, non, tout ça, c'est trop lourd. Si non, si on le mange comme des. Non, trop lourd. Non, mais au pire, c'est bon, ça fera rien. Non, mais ça suffira. Ok, donc avec 30. Pourquoi je prends mon dentifrice? 35 minutes de retard, je suis prêt. J'ai les clés. Une heure. J'ai la GoPro. Ah, faut juste que je ferme les vitres de ma voiture. Moi, je suis cool aujourd'hui. Sa cassette. Ah, bah il n'y a pas de cassette en fait. Et ma cassette. Ça, vous pouvez voir un peu la différence de taille. Après, c'est un freerider, c'est pas un enduriste. Donc là, on est au pied de la ligne que j'avais repérée. Comment tu le sens? C'est ce pic qu'on vise. Alors, ce qu'on discerne mal à la GoPro, là, c'est que c'est extrêmement raide, ça. Je sais pas du tout si ça va passer. Donc, ça, tout va dépendre des types de cailloux qu'on va trouver. Derrière, c'est une immense falaise. Et là, toute cette montagne, elle est entourée d'une falaise. Et en fait, on n'a pas le choix que de passer par le point de falaise le plus bas, là, qui doit se situer là, normalement. On fait au moins pire, quoi. Ouais, j'espère que ça va passer en escalade. Non, je pense que ça passe. Alors, on sait pas, franchement. C'est surtout avec le vélo, parce que escalader à pied, j'aurais aucun doute, quoi. Avec le vélo, c'est mille fois plus dur. Par contre, Alexandre, sur ce truc là-haut, là, si on le descend, je préfère qu'on en parle maintenant. Il faut que tu me promettes que tu y vas beaucoup plus soft qu'au sommet d'hier. Parce que hier, t'es parti pleine balle. Là, si tu te prends une vôtre là-haut... C'est la mort assurée, quoi. Donc tu me promets ça, parce que j'ai pas envie de... Je te promets de faire action et de rester dans ta roue au maximum, quand on se suit. D'aller cool. D'aller cool. Regarde, là, même un jacuzzi en bas là. Ouais. Écoute, en défi, je m'engage à ce que si on arrive à faire le sommet, je me baigne avec toi là-dedans. Ok. Ça marche ? Attention, hein. Engagement. Hein. Engagement, on le tient. Je sens que je vais le regretter. L'eau, elle doit être à quoi ? 6 degrés là ? Ouais, à peu près. Ouais. Ah ! Oh, regarde-moi ça quoi. Oh, on se sent tellement petit, c'est. Ton expertise. Je sais pas pour l'instant, on va voir. Grosse section là. Soit nous on est censé monter là, comme ça, en escalade. Il y a un cairn, il y a un petit tas de pierres là-haut. Mais tu le verras pas là, c'est parce que j'ai l'œil. L'œil aguerri. Ouais. Oh le coup de peau, il y a une faille. Une sorte de cheminée. Heureusement parce que sinon on passait pas là-dedans. Le problème c'est que la peinture. C'est
Nickel. On a réussi à monter ce joli couloir là. Techniquement, on appelle pas ça un couloir, on appelle ça une cheminée. Une cheminée. Bien joué. C'était beau. Donc maintenant, on va avoir toute la montée et là quand même des gros blocs, c'est un peu inquiétant quoi. Là, on va voir. Bon, une belle petite vire. Et voilà le... Costaud. Je vais t'expliquer un putain de piège qu'il y a normalement. C'est que là, il faut vraiment regarder là et voir où est-ce qu'il y a le passage vu du haut. Ah, oui. Tu vois, parce que tout se ressemble. Après, ça a l'air faisable quand même. Oui, ici, oui. On voit la trace. Ouais, ouais. Bah, c'est là que je te disais. C'est le seul endroit qui me semble faisable. Ouais. Ça semble pas mal, j'ai du bon grip. Hein. Donc là, juste quand même, pour donner une idée, si ton vélo il tombe ou toi. Costaud, hein. Ouais, c'est vrai, non. Que du dévers, c'est-à-dire, tu donnes un petit coup de frein de trop. Voilà, un jour, on est d'accord que ça descend pas. Ah oui. C'est trop risqué quoi. Bon là on est passé du... C'est très limite, ça descend pas. Parce que voilà, ça descend pas. C'est vraiment le... Le terrain de merde quoi. Trop raide et trop dégueulasse. Je monte parce que... J'ai peut-être l'espoir que la crête passe sur la gauche. Ça va être costaud là. Alors fais-moi les malins là. Voilà, on contourne le sommet pour trouver une autre... Une autre ligne. Oh, wow. Wow, le truc de malade. Ah, tu comprends pourquoi je t'avais dit que... Que c'était costaud. C'était costaud, mais c'était super stylé. Ah non, mais là... Alors là, je vous dis pas la sensation du vide que vous avez. Et le sommet, comment il fait flipper. Et je vous laisse voir la falaise. Il y a combien de mètres jusqu'en bas? 600 mètres, 800 mètres? 1000. 1000 mètres, ok. Wow. Bon, oh. Ah, on va en reco du coup pour la partie 1, après on ira voir la partie sup. Un petit nostern si on le sent bien. On descend, c'est pas trop raide, donc même si on square, on roule pas jusqu'en bas. Ça c'est des falaises derrière. Oui, mais bon, là, la marche, je veux dire. Je suis d'accord que ça passe bien, mais partir de là-haut... C'est exposé, mais je m'approche pas trop non plus, je vais rester là au maximum. Ça se trouve, ça passe un poil, quoi. Enfin, ça... Des fois, c'est trompeur, tu vois. Bon. Comment dire que là, c'est un peu impressionnant. Ah ouais. Wow. On va passer sur un pont. Mais quoi? Attends, on va rouler ici. Wow. Attends, attention, fais gaffe à toi parce que c'est les falaises de 1000 mètres derrière. J'espère que ça s'effondre pas quand on passera quoi. Bon, c'est super chaud. Allez. C'est super chaud, mais le problème c'est que quand c'est faisable, bah, c'est faisable hein. Oh, ça y est, on est au sommet. Et puis en plus, on va le descendre. C'est juste un truc de malade. Okay.
voit pas. J'y vais. Yes! Allez. Comment ça fait flipper? J'y vais. Ça c'est à vue quoi. Thank you.
Ah celui-là, c'est pas un gros en plus hein celui-là. Il y en a des vachement plus gros. Oh la violence là. Eh faut faire gaffe quand même. Bah, si t'arrives là trop vite, ouais, tu vois. En plus la mort horrible là. Ah quelle horreur. Ah. 20 mètres au moins non? Tu vois une quinzaine au moins. Enfin bon suffisamment pour te tuer quoi. Ah ça peut le cramer. Donc fais gaffe hein, quand tu vas. Si tu vois pas le derrière. Parce que là tu vois tu pourrais très bien arriver là. Ouais exactement. T'arrives vite, tu t'en rends compte, c'est trop tard. Ouais. Je t'écoute. Il faudra qu'on atteigne. C'est la. Ah ouais la boule qu'on voit là. La petite bosse là au milieu. Ouais. Donc là on va prendre les crêtes, t'as d'accord, c'est plus cool. Ouais. Et on rejoint. Ouais ok, ça me va. Fais gaffe au trou. Hein. Allez. C'est parti. Oh. Attention grosse claire. Avec cette vue, c'est splendide. Hop. Wow. Ouais, je suis dans ta roue, Oh, c'est raide, hein. Oula, ça devient pas bon là. Là, là à droite. De toute façon, on sait qu'il n'y a pas de. Enfin, tu t'arrêtes. Ah non, non, on sait pas. On sait pas si ça passe. Là, regarde. Là, je vais faire tac, tac et tac. Ça va? Qu'est-ce que t'as foutu? Mais tout est bien passé! Et juste là à l'arrivée, je sais pas. Tu vois, là rien de compliqué? C'est parce qu'il y avait de l'herbe! Le route miller, il aime pas l'herbe! Par contre, quoi, en haut, c'était technique! Hein. T'avais un tir à doser les freins, quoi! Faut qu'on tire à gauche là! Suis-moi parce que je vais essayer de trouver la ligne directement! La bonne! En altitude, là. Ok. Oh putain. Oh. Ah. Heureusement que je suis en 29 pouces hein, là. Donc on traverse en longueur, ok. Attention, c'est une falaise tout droit. Oh putain. C'est là la cheminée? Ouais, on y arrive. Ah, déjà? Ouais. Ah non, merde, elle est plus haute. Elle est plus haute. Ah, c'est là-bas, je crois. Ouais, c'est ça. On commence par sauver quel bike? Oh là. Là, on doit se baigner. On avait dit si on faisait le sommet jusqu'en haut, enfin si on descendait tout 100%, baignade. Exactement. Et il aime pas l'eau froide. Non, donc. L'eau froide ? Ça va. Ouais. Ah ! Je vais mourir. Impossible. Ah, il est fou. Ouh ! Ah ! Attends, laisse-moi me. Elle est pas si froide! Ah! Là, juste comme ça.
Oh, ah non, ça compte pas. Ah, c'est bon. Ah, arrête. Ah. Oh, super. Allez, cours, cours, cours. Allez. Parce qu'il a laissé la télécommande du drone en haut. Là, on le voit juste là-bas. C'est incroyable. Je suis en train de vivre une aventure incroyable. C'est... Regardez la falaise. Nous, on était là-haut avant. Regardez la falaise. Alexis connaît tous les dangers de la montagne, les itinéraires et tout. On s'en rend pas compte, mais le vrai travail, c'est justement, est-ce que là je peux passer? Est-ce que c'est trop risqué? Est-ce que je vais être bloqué par une paroi rocheuse plus bas? Et tout ça, moi, j'ai pas franchement à l'avoir en tête. Je me contente de le suivre. Donc franchement, moi, je tire mon chapeau, quoi. C'est... Mais là, pour l'expérience que je suis en train de vivre, c'est... Ça vaut toutes les courses au monde, ça vaut tout, c'est... Regardez ça.